Donc nous, il y a énormément de choses qu'il va falloir qu'on fasse là parce qu'on a pris un retard comparé à plein d'autres personnes sur le web. On a pris pas mal de retard. Alors, ah oui, il faut que je me mette en... Hop, voilà. Mais... Ouf. Ça picote, ça, hein. Ah bon, ok, d'accord. Toujours est-il que moi, il va falloir que je retourne à la base. On a fait beaucoup de choses, hein, quand même. Attendez, il y a pas mal d'endroits qu'on a bien évidemment pas découvert. Faut qu'on aille capturer ce fieffé connard, mais je n'ai pas les balls pour le capturer. Je vais retourner. Ah oui. Ah oui, non, c'est vrai, je peux pas TP comme ça. On n'est pas dans Unshrouded. On n'est pas dans Unshrouded, donc du coup il faut que je meure, c'est vrai. J'ai oublié. Ça part pour de nouveaux crimes de guerre, comment ça? Moi je ne meurtris personne. Alors, du coup, on va juste dormir qu'il fasse jour et tout là. Non, c'est pas ça, arrête. Dormir, merci. On va dormir. D'ailleurs, t'en penses quoi de Unshrouded? J'adore. J'adore de ouf. Ok, donc là, il n'y a plus le pulse qui se bloque dans les murs. Ça transporte les ressources dans les coffres. Et c'est pas la touche que je veux. Oh putain, ça va être dur de reprendre les touches. Avec Unshrouded, c'était E. Ça va être compliqué. Il me faut les œufs. Il me faut le lait. Trier. Trier, voilà. Parce qu'il nous faut toujours de quoi faire des accouplements, mais bon. J'ai un peu baissé les bras. Hein. Pourquoi faire? Normalement, c'est là que je mettais mes... Ah, super. Super. Bon, et bah tant pis. Bon, qu'est-ce qu'il faut que l'on craft? Qu'est-ce qu'il faut que l'on chope là? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait ça, tu vois, mais il nous faut des lingots de métal. Attends, mais ils ont baissé le prix? Mais ils ont baissé... Ils ont changé le prix des choses? Les balls sont moins chers? Ou c'est moi qui suis fou? Non, arrête. 100% elles sont moins chères. Oh, t'as le flingue légendaire. Alors non, j'ai juste un mousquet. J'ai juste un mousquet, mais j'ai un pistolet. Oui, le pistolet légendaire, oui. Je l'ai eu sur un plan. Bonne game à toi. Merde. Merci Mini Losty, merci beaucoup, j'en ai marre de me gourer de boutons. Ah oui, puis il y a autre chose qu'ils ont fait aussi. Ils ont fait en sorte... allez, Yormoon. Il est où le Yormoon? Il a l'air toujours en forme, mais... Ah, il est là. Ok. Ils ont fait en sorte que maintenant, quand on est plein plein, on n'est plus immobile. On peut marcher très... Très lentement. Mais j'ai l'impression que les Pokéballs sont devenus moins chers. Et c'est un très très bon. C'est un très très bon signe en fait. C'est vraiment un très 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 bon signe. Moi, ce que j'aimerais faire par-dessus tout, c'est trouver déjà le Jet Dragon, ça c'est sûr. Mais j'aimerais que toutes mes. Tu vois, je suis full full, mais je peux encore marcher et me déplacer. Donc ça, c'est beaucoup trop bien. Donc on va mourir pour réapparaître à la base principale. Je veux que toutes mes montures... Il n'y en a que deux. Attention, calmez-vous. Mais je veux que toutes les montures que je puisse avoir, que ce soit terrestre ou dans les airs, puissent avoir les trois passifs de déplacement. Et pour ça, il va falloir bien évidemment faire un maximum de reproduction. Alors maintenant que les raids ont été patchés également...
comment cela va-t-il se passer? Hop. Attendez voir. Ah bah c'est toujours aussi nul hein. Dis donc. C'est incroyable ça par contre. Ah bah ouais hein. Ah bah ouais non mais Bah montre-moi comment on fait. Mais de quoi il parle Brita? De quoi tu parles? De quoi tu parles et même pas en français en plus. C'est-à-dire de quoi tu parles? Allez la tornade! Tempête ardente non plus. Ah mais ils cassent le truc pour de vrai hein. En fait si ils sont plus bloqués hein. Ah non ils sont plus bloqués. Mais attends mais je peux plus tirer. Et puis moi j'ai pas de balles. Flèche de feu. Ah mon piaf ne veut plus. Ah oui parce qu'il a plus de stamina. Excusez-le. Oh il y a des incinérames. Oh let's go. Le incinérame c'est bon. Adieu. J'ai pas de balles. Des passifs pour les pales. Bah des passifs pour les pales en fait il faut que... C'est sûr de la chance mec. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça va être sûr de la chance. Il va falloir que tu puisses trouver un pal qui a sprinter, coursier et l'autre je sais plus c'est quoi, c'est légende. Je sais plus comment ça s'appelle. Non putain, oh là là, le problème de touche va être... heureusement que j'ai changé le... Bon, heureusement que j'ai changé quoi. Mais... Ah, j'en ai marre, je me gourde de touche. Putain mais je peux faire des pales d'été de machin comme ça là. Je peux en faire 36. Mais ils ont totalement changé le... Ils ont totalement changé le queutru, c'est pas possible. Avant ça coûtait bien plus cher. Bisous à tous, bisous DLM. Ouais, faut que je fasse du ciment. Ok, fluide de pales. Alors par contre ça c'est embêtant ça. Fluide de pales, va falloir casser la gueule à beaucoup de pales. Est-ce que... Oui, j'ai le bouclier comme ça. Attendez, mais... Ah oui, il faut à tout prix que j'aille choper des Anubis. Il faut à tout prix que j'aille choper des Anubis parce que... Ils vont pas assez vite, c'est pour ça que je prends ces balls-là. Parce que ma base, elle est pas encore suffisamment opti, étant donné que je n'ai pas... tout ce qu'il faut. Donc là, on va faire du ciment... Mieux le jeu. Ah bah, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, et en fait... J'ai l'impression que tout est plus intuitif. Genre, tout va un peu plus vite. Il n'y a pas un pal qui va pas bosser parce que je ne sais pas quoi, tu vois. Tout va plus vite. D'ailleurs, ils en sont où au niveau de la bouffe? Large. Large, on peut prendre ça d'ailleurs pour le cuir. Hop, hop, hop. Le Yormoon il va le faire en 2-2. Boum. Ok, hein. Voyage rapide. Boum, boum. J'ai pas eu le temps de relancer, mais ça a été mieux patch. Ouais, ouais, de fou, hein. Alors en tout cas, pour l'instant, je vois que tout le monde bosse dès que je le dis. Et ils vont faire un truc. Les gars, ils vont faire un truc grandiose, sa grand-mère. Vous savez ce qu'ils vont faire? J'ai vu un peu les patchs là. Ils vont faire un truc qui permet d'ouvrir un petit menu et de mettre un pal manuellement sur l'outil en question sans avoir à le prendre et à le jeter.
C'est-à-dire que tu vas ouvrir un truc comme As, un menu comme ça, et ça va être marqué table de craft de sphère pâle, et hop, tu vas mettre Anubis dessus, l'un de tes Anubis dessus, et c'est tout, il sera assigné à cette tâche, et il ne fera rien d'autre. Ça va être tellement plus cool. Ah, il fait de la lumière. Le cryo... Wyvern, il fait de la lumière. Ok. Bon. Choisir la recette. Arme décalco. C'est de la merde. Moi, il me faut... Il me faut le grappin. Mais pourquoi lui, il est inhabituel? Il demande plus de ressources. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que lui, ok, d'accord. Hein, il faut le violer, moi. Je veux le violer. Par contre, je peux faire des balles de pistolet, mais c'est des balles de... Oui, des balles de pistolet classique. Mais... Attends, mais ils ont réduit... Ah bah, ils ont peut-être équilibré les... Les crafts des... Comment ça s'appelle des objets en question, parce que tout est un peu moins cher et... Plus logique dans les crafts. Bah la vérité, tant mieux, hein. La vérité, tant mieux. Salut Lily, trop contente de la mise à jour. Bah écoute, je suis satisfait. Attends, j'ai déjà 16 machins. Je vais aller chercher un Anubis parce que j'en ai pas, et c'est clairement ce qu'il faut pour que je bosse ici. Ah, on n'a pas de TP ici. Ok. Particulier. Dev à l'écoute des joueurs. Alors là, je n'ai pas vu de développeur autant à l'écoute des joueurs que Palworld. Et beaucoup sont... Beaucoup sont choqués, en fait. Beaucoup sont en mode what the hell à ce point-là. À ce qui paraît, ça, c'est l'un des pals les plus forts de tout le jeu. Et je rigole même pas quand je dis ça d'ailleurs. Il a des stats de baiser. Excellent. Excellent. On va récupérer les choses qu'il nous faut. Il faut que je vois. Hop. Viens là, là-bas. Ok. Ok, ok. Tu vois, on n'est pas assez rapide. Mec, je crains le pire. Le 27, c'est la nif de Pokémon et il y a un Pokémon Days. Je crains le pire. N'annoncez pas un jeu, par pitié. Tu veux pas que Pokémon annonce un jeu? T'es quel niveau là? Salut Steelwind, je suis niveau... moi, 43. Je suis niveau 43. Le maximum pour l'instant, c'est niveau 50. J'attends avec impatience la mise à jour de en mode construction là. Damn. La mise à jour des construits, je l'attends de fou. Hop, ok. Effectivement, on se déplace beaucoup plus lentement que dans Unshrouded, hein. ça se voit clairement. Et d'ailleurs, Unshrouded, aucun mode, hein, les gars. Aucun mode. À part Cheat Engine, il n'y a pas de mode. Putain, j'arrive pas à aller par là-bas. Est-ce que je peux mettre un marqueur et le voir sur mon... Oui, vas-y. Non, hein, tu le vois toujours pas. Mais aucun mode. Allez, j'ai pas eu la notif de ce live, c'est relou. Suis-moi sur Insta, vieux. Tu seras toujours au courant. Toujours. Ou au pire, sur le Discord, normalement, tu reçois des notifs aussi. Non, ils vont se tirer une balle dans le pied avec Palworld. Faut qu'ils attendent, je pense. Pas spécialement. Apparemment, là, ils ont l'air de puber de fou. Comment s'appelle Noir et blanc, là. Pokémon noir et blanc, là. Avec Zekrom et je sais pas quoi, là. Bon, c'est des... Apparemment... C'est le Pokémon que la communauté aime le plus, mais moi j'ai déjà arrêté, enfin j'avais déjà lâché l'affaire depuis un moment, donc je ne connais pas trop ces Pokémon-là. Il y a un coffre là.
J'ai Discord et non pas de notif non plus. Ah ouais? Normalement, Riddick, il a fait en sorte que à chaque fois que je stream, vous ayez une notif. Normalement. Après. S'il l'a pas fait, c'est pas très grave. Enfin, si ça marche pas de fou, c'est pas très grave. Ah oui, il y a une commande Discord, oui. Ah, je voulais pas le tuer spécialement. Mais arrête un peu là! Non, quel enfer, j'en ai marre. Eh bah meurs alors, meurs! Connard va! Putain! Casse les couilles, hein. Non mais meurs toi aussi. Bon, ils sont où les Anubis là? J'en ai besoin? Ah mais moi je vous dis ma partie elle est cursed hein. Je peux pas j'ai un peu midlife. Enfin un peu plus que midlife. Avec des sphères de pâle classiques sur des Pokémon niveau 16, moi des fois ça veut pas. Tu vas dans l'onglet les notifs puis notification center. De quoi sur Discord tu veux dire? Mais du coup c'est pas à moi de le faire. C'est à ceux qui veulent avoir la notif de... Ah, il est là. Mais il y en a qu'un. Il n'y a pas moyen d'en avoir d'autres. S'en bat les couilles. Waouh. Mais... Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, let's go. J'ai l'impression que ça va pas être efficace ces histoires. On va prendre lui. Vas-y mec. Ah bah il est mort en fait. Mais sérieusement? Attends, mais là aussi ça. Putain, c'est trop chiant. Le mousquet il met 1000 ans à recharger. Qu'est-ce qui se passe là? Il a bugué dans le mur ou. Ah oh bah j'allais dire que du bien! Ouais, c'est ça. C'est son point, il a bugué contre l'arbre. J'allais dire que du bien de toi, des mises à jour et tout là! J'aurais dû faire des balles de pistolet. C'est pas grave. Aïe. Mais ouais, je pense que plus personne ne reçoit les mises à jour de mes lives. Enfin, les notifications de mes lives. C'est pour ça qu'on commence toujours avec très peu de viewers. Et que ça met du temps de fou à monter. Parce que je pense que la plupart des gens, globalement, ne reçoivent pas les... Si, je les reçois, moi. Non, mais toi, tu les reçois. Et certains les reçoivent. Mais je pense que la majorité ne les reçoivent plus. Vraiment, hein? Parce que ça fait quand même beaucoup de gens qui me disent qu'ils les reçoivent pas. Vraiment? Et c'est très très... Aïe! C'est très très chiant. Tiens, vas-y, pète-lui la gueule. Bon, il va lui péter la gueule. Il va lui faire beaucoup trop mal. J'ai reçu la notif cette fois-ci, mais c'est pas tout le temps comme ça en tox, ouais. Tu vois? Moi je les reçois avec 30 minutes de retard. C'est pour ça du coup je me fais chier à essayer de vous le prévenir sur... Ah mais il est mort! Ah d'accord. À essayer de vous prévenir sur Twitter, Insta, Facebook. Après dites-moi s'il y a vraiment un endroit que vous préférez.
globalement, y a-t-il un endroit que vous préférez qu'on vous prévienne? Ah mais en fait, depuis le début, je pourrais mettre Fenglop en fait. Parce que oh Roche, oh il va lui péter la gueule. Oh, tellement pas. Moi Discord perso pour les alertes live en général, mais vous les recevez sur Discord aussi ou pas? Oh sa tornade de Roche comment? Non! Perso Insta ça me va. Pas toujours mais Discord reste le mieux. Ah ouais? Putain vous m'étonnez de fou. Il faut prendre le arrobas Twitch. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le arrobas Twitch? J'utilise pas Discord moi. Bah ouais y'a plein de gens qui utilisent pas Discord en fait. Pour ça je suis en mode what the fuck. Non. Ah 0%. Mais wesh! Mais pourquoi il existe pas à l'état naturel ce. Ce mob? Ah, c'est un rôle sur Discord. Et il est d'accord pour que je supervise ton dossier en parallèle avec. Avec ta ville, voilà, voilà, je discute des raisons pour lesquelles ce serait plus pratique. Et il a dit oui. Quoi? Oh, incroyable! Un X, on dirait trop un truc de boule. Ah bah, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Sur Discord, c'est tellement random, franchement, pareil que sur Twitch. Et même les notifs Twitch, c'est mieux que Discord pour moi. Putain, j'aimerais tellement vous trouver quelque chose de... plus pratique. Et que vous ayez tout le temps les notifs. Ouais, d'accord. J'ai des balles rouges, mais... Mais il existe pas un endroit sur la map lui plutôt qu'en boss là parce que. Oh. Envoie un mail. Je vais envoyer un mail à chacune des personnes présentes. Ça t'évite tellement de casse-tête. Tu m'étonnes. Alors là. Rayhound, Nightwing. Et du coup t'as un Anubis. Ah tu veux dire en. Comment ça s'appelle en. Oula je suis sur le point de mourir moi. Oh la luck! Allez, vas-y. C'est moi. La giga luck de ouf! Ok. Ok, ok, mais en fait, il m'en faudrait d'autres. Il m'en faudrait d'autres, et surtout, il m'en faudrait. Merci, Andraven. Mais il m'en faudrait d'autres en mode balestèque. Tiens, pour le breeding. Ah, tu voulais m'envoyer un lien? Mais attends, mais du coup, c'est bon, tu m'as dit Rayhound et Nightwing. Du coup, bah c'est bon alors, c'est facile. Je vais juste me permettre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Attendez, on va aller dodo déjà, histoire que les Pearls là, ils puissent se. Hop là. Tu veux le lien? Mais vous pouvez pas m'envoyer les liens, les gars. Faut que j'aille sur le Discord et du coup, je suis pas. Je suis pas connecté. Est-ce qu'ils m'ont fait d'autres balls? Obtenir. Putain mais ça me paraît fou d'avoir 18 enfin 28 terrasphères sans me prendre la tête sans que ce soit dur. Mais la vérité j'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal à me dire ça en fait. Alors déjà on va faire ça. Alors lui il est quoi lui? Oh 140, 120, 100. Waouh. Ok, il est très très fort. Il est très très fort. Il a empereur terrestre. A mon avis, c'est. Les dégâts de type terre augmentent de 20%. Pff. Ok. Hop. Je vais le mettre directement. Ah, c'est un Rayhound et un Sweepa.
Ok. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un Rayhound qui est déjà là. Et il faut juste que je mette un sweepa. Où sont les sweepa? Un sweepa! Ok, sweepa. Et le sweepa. Ok. Du coup, sweepa! Ah oui, c'est V pour porter maintenant. Un plaisir d'être là pour aider, mais c'est vraiment adorable. Sache que tu m'enlèves une épine du pied de psychopathe. Et ça fait plaisir. Lancer. Ok, affecté à launch. Je crois qu'on aura. Je crois qu'on aura ce qu'il faut pour. Non, je veux pas que tu mines! Parce que miner, j'ai déjà. Oh. Et voilà. Ouais, il y a encore des petits pathfinding qui sont un peu en. Voilà quoi, hein? C'est encore un petit peu. Encore un petit peu fucké ces histoires. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup. Ah, donc Nightwing et Rayhound, ça marche aussi. Ah, ok. Bah, vas-y, hop là. On va mettre le sweepa. Mais c'est du 100% ou pas? Voilà. Et on va faire un gâteau. Non, pas avec sweepa! Comment ça? Vas-y, on va faire 15 gâteaux. Ah si, pardon. Arrêtez, hein! Elle a faim, bah va manger, meuf. Alors? Commence pas à casser les couilles. Ah oui, mais faut toujours que je garde mon arc aussi, moi, putain. Ouais, pour les petits Pokémon de merde que j'ai pas encore récupérés. Ah, c'est cool, par contre, s'ils ont réduit un petit peu le. Je m'en mêle les. Pinceaux! Ok, Rayhound sweepa, c'est 100%. Ok. Putain, les gâteaux, ça met 3000 ans à faire. C'est terrible. Je suis content qu'ils aient fait en sorte que les balles coûtent vraiment que dalle en fait. C'est. Merci. Une balle, un lingot. Et encore dans un lingot! Dans un lingot de métal! Tu devrais pouvoir faire tellement de balles! 5, ça va, ça coûte 1-1, ça va. Du coup, on en a 50. C'est quand même peu, hein. Mais bon. Moi j'ai gardé l'arc triple, j'ai les flèches, on va peut-être le mettre d'ailleurs l'arc triple histoire de. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Fais voir dans la technologie. J'ai 10 points. J'ai 10 points. Ah oui, c'est niveau 44, je peux pas encore les avoir. Ah oui, c'est du paluminium après. Fibre carbone. Ah ouais, celle-là, elle coûte extrêmement cher. Vraiment, celles-là, elles font mal. Et j'avais dit que je prendrais rien de spé, hein. Ah oui, attendez, mais faudrait peut-être que je me fasse un fusil d'assaut, moi. C'est. Ah oui, d'un fusil d'assaut, c'est 45. Ok, niveau 45. Bon. Ok. Ok. Mes sphères de pâle, hop. Boum. Et comment je fais du paluminium? Je peux déjà en faire, là? Lingot de métal raffiné et lingot de métal. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je. Ah, attendez, parce que je crois que j'ai des trucs nouveaux à faire, ouais. Chaîne de production numéro 2. La chaîne de production numéro 1, du coup, je peux la détruire en fait. Parce que ça veut dire que celle-là, elle va encore plus vite. C'est ça? Encore plus rapidement. Donc ce qui fait que les autres, tu peux les supprimer. C'est la fonderie électrique. La fournaise, ok. Tu vas dodo vieux? Eh ben va dodo Light Dark. Des gros bisous, j'espère que tout va bien de ton côté en tout cas.
Oh! Oh mon dieu! Merci Camille! Bonjour, visage souriant. Bonjour, bonjour. Ah, ça met du temps, mais. Et aussi, une place pour un pal supplémentaire sur la chaîne de prod 2, pour un total de 4. Ok. Ok, ok. Utilise le grappin. J'ai jamais crafté un seul grappin pour l'instant. Parce que j'attends de crafter le dernier directement. Toi aussi t'es malade? Ah non non, je suis pas malade du tout moi. C'est juste que je m'étouffe. Ah, vraiment pratique le fait de pouvoir se déplacer malgré malgré le poids. C'est vraiment très cool. On va ranger, bien sûr. On va ranger ça. Hop, hop. Ça faut que je les mette. Non mais ça vraiment faut que je les mette dans le. Là-dedans on avait dit hein. c'était quoi déjà la touche? C'était R, rangement rapide. Non. F, R. Hop. Ah oh, putain, c'est pas eux. C'est F, on a dit. F, ensuite c'est R. Je vais garder ça, frérot. T'es malade ou quoi, toi? Voilà. Par contre, est-ce que c'est possible que, à la place de ce connard, ce soit lui qui est feu level 4? Tu vois, c'est ça. J'ai hâte que. Vraiment. J'ai hâte de pouvoir remplacer de manière intelligente que le Yormoon aille. Voilà! Et t'y restes en fait! Si tu peux y rester s'il te plaît! Merci! Et bah voilà, on a un gâteau! Allez! Il s'agirait de Ken maintenant! Ça va pour vous? Allez-vous les gars! Ah merde, c'est deux femelles! Mais non! J'ai envie de canner. Ah oh non! Tous les sweepas que j'ai, c'est des femelles! Rehound aussi! Vous m'avez pas dit les Nightwing? Nightwing aussi, vous m'avez dit non? S'il vous plaît. Vous m'avez dit Nightwing, on est d'accord? Le Rehound à la place du Nightwing. Enfin, le Sweeper, pardon. Non. Attendez. Voilà. Rehound Nightwing. Ok. Il faut Ken maintenant. Ok. Voilà. Il y a des trucs que j'ai envie de décraft parce que je pars du principe que si on va faire la sphère de pal 2 là, bah il faut décrafter ces conneries. Là, déjà, on a quoi là? Chaîne de production. Faudrait faire chaîne de production 2. Faut faire des circuits imprimés pardon, et des clous. Alors, circuit imprimé. Circuit imprimé, ça demande du quartz et du polymère. Polymère. Ah, attends, il en veut combien? Il en veut 2. Ah. Ah non, mais en fait, lui, vraiment, vous êtes sûr, Anubis, on peut pas le capturer autrement? On peut pas le capturer autrement. Ah oui, puis d'ailleurs. F. Je vais l'enlever, lui.
Même si c'est un boss et que machin chose là. Il est mieux de fou. Toi, toi, toi. J'ai bien envie de l'augmenter lui aussi un petit peu, mais. Qui je pourrais mettre? Et bah en vrai, allez hop, j'en mets deux. Il est où l'autre? Arrêtez de vous keybloke là, putain vous faites chier hein, vraiment. Salut Wolfric! Le boss est 47. Ouais je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Mais ça m'étonne qu'il n'y en ait pas d'autres, en fait. Tu vois? Ça m'étonne vraiment qu'il n'y en ait pas d'autres. Attends, je vais juste aller réparer mon armure. Si je peux. Non, c'est pas ça, vraiment. Toujours pas. Hein. Je ne peux pas réparer parce qu'il faut tissu de qualité et lingots raffinés. Ça, oui, je peux réparer. Putain, réparer, ça m'a coûté cher. Hein. Là! Lingot de métal, on en a toujours pas. On va réparer ça. Et on va bouger. J'ai dit on va bouger. Voyage rapide, merci. Hop, hop, let's go. Non, je t'ai parlé. Meilleur rapport qualité-prix ever. Une tuerie, franchement. Velouté le topinambour et son œuf poché avec tranche de magret de canard fumé. Oh là 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 là. Coulis de mascarpone chat. Oh là là, vas-y frérot. Ça donne trop envie là. Ça donne beaucoup trop envie. Mais elle est quand même pas très rentable cette putain de mine. Hein. J'en ai un peu marre moi de ces soi-disant bosseurs là. Parce que eux, ils minent très mal. Quand tu l'as de manière individuelle, c'est ok, mais sinon tout seul, c'est nul, hein. Ça fait que un dégât sur le truc. Donc il faut que je mette ça. Hein. Faut que je mette les riptyros. Hein. Ah ouais, faut que je mette les reptiles en fait, c'est sûr. Oui, je peux tirer au bazooka avec le Mossant 2 machin. Ouais, Bornard, ouais. Je la connais la bonne zone pour miner, vieux, t'inquiète pas. J'ai vu où c'était déjà depuis un moment. Ah! Nous avons les baies. Alors les baies, on peut les mettre ici maintenant, bah même dessus. Hein. Je voulais voir aussi un queutru là dans ma bouffe, on a que du pain. Du coup, je vais prendre une portion. Ah oui, mais ça me. C'est parce que je veux être libre, mais. Mais quand même, hein. Le Tortank n'est pas très efficace en effet. Mais ouais, c'est dommage, le Tortank il est niveau je sais pas combien, c'est level 3 en excavation, mais quand tu l'as que toi. Quand tu l'as que toi tout seul. Avec son pouvoir. Sinon il est nul à chier en fait. C'est tout, mec. Il est juste éclaté. Même avec le bandeau. Non, avec le bandeau déjà quand même ça va en vrai, je trouve. Il faut faire du métal. Voilà. Ça en est où cette histoire? Bientôt! Oh là là, bah le temps de me faire un café. Le temps de me faire un café. Même pas. Paf! Énorme œuf anguleux. Alors moi j'ai mis à zéro, hein. L'éclosion! Attention! Anubis!
plaisir. Plaisir, hein. Hop, bah du coup, à la place de Kiki, à la place de, bah, un de eux, en fait. Ça va, ça me servira pas à grand chose. Ah ouais. Allez, hop. Voilà. Comme ça, quand je vais lui demander de faire des queues trues, ça va être sympa. Bah, va falloir rebaiser, en fait. Bah, j'ai le Fenglop pour me déplacer. T'inquiète pas, je l'ai, hein. Je l'ai, gros, regarde. J'ai le Fenglop pour me déplacer. Y'a aucun problème là-dessus, t'inquiète pas. Alors, bon, on va mettre... allez, vous me refaites des bébés, vous, hein. Voilà. Il faudra que je fasse donc ce truc-là. Faut que je fasse des lingots raffinés, des circuits. En vrai, les clous, je peux commencer à les faire. Le polymère, c'est fait. Mais les clous... pour en faire 30. Hop là. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire les fusils à pompe, ouais, mais je sais pas. Un peu chiant. Le giga pistograppin et le méga pistograppin. Ouais, ouais. Et moi je veux le sur méga of doom grappin. Il est où ce bâtard? Il va faire de la pierre alors que je m'en branle. Voilà le problème en fait. Est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu pète les couilles là! Voilà pourquoi il faut absolument qu'il sorte cette mise à jour! Arrête! Non! Arrête de faire de la pierre, connard! Là, il y a des... Bon bah j'ai rien dit. En fait ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, mais ça a été fait à la vitesse de la lumière, parce que j'ai rien vu. En fait, ça. Polymère, je vais en faire 10, je pense. Je vais en faire 10. La réaction. Voilà pourquoi ça sert bien, une fois que t'as les 3 bases, d'en avoir une pour bouffe plus pierre, bois, histoire d'éviter ce genre de problème. Je fais un rapide coucou pour dire que la saison 2 d'Opération Séduction, il y a Carole Quinten. Oui, la Carole Quinten, actuellement youtubeuse et femme de Julien Chiez. Oui, on m'avait dit Zedo Monkey. Mais là, tu spoil et c'est pas bien. où est-ce qu'on bouge? Ah oui, il va nous falloir du quartz. C'est vrai que où est-ce qu'on chope du quartz? C'est pas dans cette zone-là. C'est vrai que lui aussi, je vais avoir envie de le capturer. Attendez, il faut ma clope et du café. Alors, ah, je me fais casser le cul. Fenglop, faut se battre. Oh non. Mais normalement, non. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai eu peur.
Attends, mais... Ils ont amélioré le fait que... Oui, je suis quand même niveau 7 sur mes statuts de capture qui me permettent d'augmenter mes chances de capture. Ok, enfin, ça a du sens. Putain, mais en fait, je prends cher parce que... J'avais pas protégé de... Parce qu'il fait chaud. T'as une luck de fou. Bah non, juste... Je suis niveau 7, mec, de capture à un moment donné. Ça va, quoi. Faut juste pas déconner, quoi. Hein. Salut, Stitch. Comment ça va bien? Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Oh, oh. Ok. On va pas le garder lui, donc je vais pas lui apprendre cette attaque là, ça servira pas à grand chose. Il est pas dragon lui. Mais c'est vrai que n'importe qui peut... peut apprendre les trucs. Lui, il a déjà des attaques de baiser. lui, il y a un truc électrique. Mais je sais pas si je vais garder... Cette équipe n'est pas définitive. Pour le quartz, c'est zone de glace. Ah ouais. Oui, 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 oui. Nord-est, ouais. Ok. Nord-est. Nord-est, c'est plus le... J'imagine Nord-est ici. Ah merde, ma clope est vide. Oh, puis il faut que j'aille chercher mon café. Oh. Un instant, les copains. J'arrive. Hein. Heureux. Alors, du coup, il nous faut du quartz. Oh, là, il y a des cryo, cryo-lynx, là. Okay. J'ai même plus à quoi ressemble le quartz. J'ai complètement oublié. Oh, des gigasphères, let's go. Ah, je suis trop content qu'ils aient patch le problème de capture de... Donc tu passes d'un taux de moins 7 à un taux de plus 7 après la mise à jour. Vis-à-vis de, du taux de capture. Parce que vraiment, j'étais niveau 7, mon pote, je capturais rien. Ah là. Je capturais rien, je claquais la dose, mais la dose, mon pote. C'était énervant. Oui, la statue baissait le taux au lieu de la monter avant. Quoi? Ok. Bah c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir, hein, du coup j'ai envie de dire... Ok.
Bon bah c'est pour ça que maintenant c'est plus facile de les capturer, hein. T'as déjà été à l'île au coin nord-est? Normalement j'ai été partout. Normalement j'ai été partout. Ah oui non, elle est là je crois par là. Non bah alors elle non, je suis pas encore allé. Content d'avoir amélioré ma statue, tu m'étonnes. Ils ont patch le bug pour dupliquer les œufs et construire gratuitement. Bon ça je m'en fous, construire gratuitement, je peux le faire si j'ai envie de lancer comment ça s'appelle Wiimote. J'étais niveau 10, taux à 7%. C'est beau. C'est incroyable hein. La vérité c'est incroyable hein. Enfin, ça fout le seum de ouf. Hein. Heureusement qu'ils ont réparé ça. Hein. Ça va devenir beaucoup plus agréable. Et je vais avoir beaucoup plus envie de. Comment ça s'appelle de crafter, d'aller chasser, de faire des trucs du genre, tu vois. Parce que là. Là, si c'est pour qu'on crafte des sphères de pales qui coûtent un bras et demi. Et qu'en plus, il faut en claquer 77 000. Oh, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes là, c'est bon quoi. Alors, pif paf. Voilà. Nickel. Et je vais aller foutre ça dans un coffre. Tu prends pas de stuff en... Non, moi je perds pas mon stuff en me tuant, j'ai enlevé le truc, ça me saoule. Ces histoires là, ça me... J'aime pas. On va faire un dodo. Non, j'ai dit. J'ai... Non, attends, viens. Non, arrête. Voilà. Ah, j'ai enlevé l'option. Ça me permet de farm plus vite. Et plus efficace. Et bah voilà. Et bah voilà, encore un autre. Hop. Encore un autre Anubis. Et pareil, j'ai désactivé le fait que ça mette 8 000 ans pour les faire venir. Parce que j'ai pas que ça à branler. Alors, un autre Anubis à la place de celui-là. Voilà, comme ça va. Avec les petits mimines, clic clac clic clic clac clac. Il y a beaucoup de rochers de métal là où tu vas miner. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Non, c'est toujours pas cette touche là. Comment je fais chaîne de production 2 sphère de pâle 2. Donc ça, c'est sphère de. Voilà. Sphère 2. Ouais, c'est toujours pareil, c'est les circuits imprimés. Et les lingots raffinés. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Hein. Ça va être ça le problème. Ah, ils l'ont rendu. Même ça, ils l'ont. Ça coûte moins cher, il me semble, ça. Hein. Me semble que ça coûte moins cher. Hein. 50, 120. Il me semble. Ouais. Je peux faire les jaunes et rouges. Ouais, je sais, bah il est là, hein, je sais, je sais. C'est juste que je regardais combien il me manquait. Et du coup, va falloir qu'on commence à faire les lingots raffinés. Hein. Ah oui, mais c'est des minerais directement. Ok. Ok. Circuit imprimé. Faire ça. Bah je pense que je vais aller directement chercher les minerais. Voyage rapide. Elle est où ma base? Elle est là. Je crois que là je peux en mettre une troisième, donc je vais aller en caler une troisième quelque part, je pense. On va récupérer les lingots ici. Hop. Ah! On va pas aller loin. On va pas aller loin, c'est clair. Ça c'est clair, on va pas aller loin. Choix de la recette, boum, boum, voilà.
Ok. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui va bosser? Et pourquoi mes putains d'Anubis ne vont pas faire ce qu'ils ont à faire? Ils sont à l'extraction! Bah ouais, mais à un moment donné, à un moment donné, ça va quoi. C'est bon. Ah, j'en ai plein le cul de vos. Je vais pas finir cette phrase. Voilà. Je le remettrai quand tu auras besoin de le remettre. Parce que à un moment donné, ça va deux secondes quoi. Ça casse les couilles. Voilà. Est-ce que je peux faire un maximum? Oui. Voilà, super. Ah oui, c'est instantané hein. Tu peux voir ta vitesse. Ah ouais. Ah ouais. Bisous Lily. Il va falloir du polymère. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je sais plus combien. Je sais plus combien il faut. On va récupérer ça. Tac, 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 tac. Production 2. Ok. Après, ce sera le métal raffiné. Ça va aller, en fait. T'as pas encore vu les niveaux 5. Il y a des niveaux 5? Tu rigoles. Il y a vraiment des niveaux 5? Il y a des niveaux 5. Tu rigoles. Alors là, mon gars, tu m'étonnes là. Là, tu m'étonnes là. Mais des niveaux 5 dans tout genre? Parce que des niveaux 5 dans tout, ça paraît un peu. Un peu étonnant cette histoire. Ah, il y en a encore un là-bas. Mais peut-être. Peut-être c'est bon, hein. 3 juste, ça ira, hein. Genre. Arrêtez de ken. Non. Stop. Arrêtez de ken. Je pense 3 Anubis sur la base, c'est bon, hein. Dans un truc particulier, pas tous. Oui, je me doute que pas tous. Attends, j'enlève lui. Et hop. Toi, tu peux te remettre à faire de l'électricité. L'autre Anubis que je viens d'avoir, il est où? Mais je l'ai pas éclos encore. Enfin, je l'ai pas fait sortir de son œuf. Mais tu peux upgrade ton Anubis si tu brides. Si tu en brides plus. Oui, je sais. Je sais bien. Oh. Moi c'est plus pour le crafting que pour le combat. Tu vois ce que je veux dire? Merci pour le sub. Merci beaucoup. Merci Scarecrow. Très gentil. Bah je pense qu'on peut. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je viens de me reperdre dans ma tête. J'ai le polymère. C'est la chaîne de production 2 qu'il faut que je fasse, ok. Faut que je fasse des circuits imprimés. La 4. Ok, je peux en faire que 2. Super. Je peux en faire que 2. Il faut que je reprenne du quartz. Voyage rapide. Je vais retourner voir là-bas. Hâte qu'ils augmentent la taille des palbox carbon. Quand il te faut 75 d'un même pal pour upgrade le dernier niveau, ça devient vite chaud au niveau place. Ah ouais? J'ai même pas vu qu'il y ait de la place là-dedans. Seulement 10? Ah oui, d'accord. Je suis trop lourd. Ok, super.
Ah mais même ça revient au même en fait. Ah non, quoi que je reviens à la base base. Oui c'est pareil. Oui c'est pareil, c'est pareil. Allez. Tu peux le faire. Ce coffre est chiant parce qu'il bug. Faut vraiment que je sois à un endroit particulier pour le cliquer. Tu m'emmerdes. Lui, il m'emmerde. Je vais l'enlever parce qu'à chaque fois, c'est toujours lui, le Wixen de merde là, qui va à l'endroit en question, alors que lui d'abord, le Wixen, il veut faire ce que fait l'Anubis et ce que fait le Yormoon là. Ça va, deux secondes. Non, tu dégages. Tu m'as saoulé. Casse-toi en fait. Casse-toi, tu m'as saoulé. Pourquoi tu utilises pas le grappin? Parce que j'ai pas le grappin. Tout simplement. J'attends le moment fatidique, pardon, où je serai obligé d'aller choper le grappin. Tu fais une base avec un enclos par ressource. Attends. Tu fais une base avec un enclos par ressource de gâteau plus plantation, plusieurs enclos de bride, et tu peux créer une armée. Oui, non, mais c'est pas le but. Moi, c'est clairement pas le but. Moi, je veux pas faire des trucs à la chaîne bête et méchant, tu vois. Je veux vraiment que ça soit utile juste pour un truc bien défini. Là, pour l'instant, je me concentre sur le... Comment ça s'appelle Je me concentre uniquement sur la chaîne de production numéro 2. Et quand ce sera fait, je me concentrerai sur autre chose et vice versa, tu vois. Parce que sinon, je vais me perdre dans ce que j'ai envie de faire. Je suis facilement perturbable, moi. C'est ça le problème. Quartz ou pas quartz? C'est pas quartz. Mon rêve, juste un menu où tu assignes un pal à un job et il y bouge jamais, et bah c'est la prochaine mise à jour. Ça a été dit sur Twitter aujourd'hui. Ton rêve va devenir réalité. Moi aussi j'ai très très hâte. Vraiment. Parce que ça me gonfle à chaque fois ce genre de choses. Non mais je vais prendre mon piaf, hein, la vérité. Wow. Après, faut pas que ce soit rare, hein, ta merde. Faudrait qu'ils mettent des petites musiques aussi. Oh, les Wumpo. Wumpo Cryo, je sais pas si je les ai. Je crois pas. Oh calme, il va me tuer lui. Oh le bâtard. Non mais reste. Non mais quand même. Quand même. Abuse pas. Quand même, s'il te plaît. Arrête. Tu redeviens chiant le jeu, arrête. Allez, meurs maintenant, j'en ai rien à foutre. En plus, il est nul. Oh, il est nul. Allez, pète-lui la gueule. Oh. Voilà, lui il est moins chiant. Lui. Putain, il m'a refait des coups de Trafalgar lui là. Il y a un camp là-bas. Ah putain, j'ai le nez qui me.
Non, j'ai jamais essayé de battre le Jet Dragon. Mais j'ai très hâte de l'avoir. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Ah ! Y a quoi dedans? Et on a toujours pas de quoi se heal avec des potions, les trucs de genre, c'est chiant ça. Salut Riddick. Riddick, est-ce que tu pourrais faire en sorte de... parce que je sais pas si t'as déjà ça, mais les gens m'ont fait comprendre que ils préféraient... avoir des notifs sur Discord quand je live. Ce que je comprends du coup. Et je voulais savoir si... Enfin, quelles sont les choses que tu as mis en place toi sur le Discord pour que les gens reçoivent les notifs? Oh, plan d'armure en paluminium. Nice. Mais attends, mais le piaf là, putain, le piaf, bordel! Faut se battre en fait. Sur Discord justement, tu as le choix pour avoir les notifs Twitch, YouTube et Twitter et aussi Kick. Mais le choix, c'est-à-dire le choix. Moi, si je veux pas que les gens aient le choix, si je veux qu'ils les aient quoi qu'il arrive. Oh putain, Anubis il a pris cher direct. Si je veux qu'à chaque fois que je lance un live, les gens ont une alerte Discord en mode toudoum, il est en live. Sur Twitch là maintenant, clique avec le lien. Ah. Il va me le défoncer. Ah, ce serait bien qu'à chaque fois qu'il y ait une vidéo YouTube, à chaque fois qu'il y a un live Twitch, bah en fait, instantanément, les gens reçoivent une... comme un espèce de message privé de la part du bot à toutes les personnes qui font partie du Discord. Est-ce que ça, c'est possible? Comme ça, peut-être que les gens recevront vraiment les notifs et ne s'en plaindront plus, quoi. Oh. Ah non, mais là... Là, on n'a pas le niveau, les gars. Hein. On n'a pas le niveau, c'est stupide. Ah. Le MEE6, je sais pas c'est quoi. Qui te prévient. Bah, genre le bot... comment ça s'appelle? Attendez, je vais revenir à la base. Mais genre le bot qui t'envoie... Hein, comment ça s'appelle On n'a pas le niveau, tout à fait. On n'a pas le niveau, ouais, c'est sûr. C'est le bot pour Discord, en gros. Ouais, après, les gens, soit ils mute le bot parce qu'ils en ont marre, il permet plein de choses, dont ce que tu as dit. Bah, le bot fait déjà ça, en fait. Ok, et bah... Let's go, du coup. On fait ça. Ouais, de toute façon, je veux pas être en mode... Vas-y, je vais pas être en mode chasse ou je sais pas quoi là, donc on va juste être en mode ressource. Moi, c'est pas clair, hein. Je ne vois pas où prendre le rôle Twitch sur le serveur. Ah bah ça, moi je sais pas non plus, hein. Ce sera aux gens qui bossent dessus et qui savent faire les choses, de le faire, ils vont le faire mieux que moi, ça c'est sûr. Mais ouais, faudrait un rôle Twitch et un rôle YouTube, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais si vous préférez avoir les notifs directement sur Discord.
De toute façon, vous êtes prévenus des lives via comment ça s'appelle Instagram quand je vous en parle. Vous êtes prévenus directement tous les jours, quoi qu'il arrive, et tous les lives sur Facebook et sur Twitter. Après, je vois pas sur quel autre comment ça s'appelle sur quel autre média réseau je pourrais vous prévenir. J'avoue que je vois pas. Normalement, une fois que les gens arrivent sur le serveur, ils s'authentifient et ensuite ils ont le choix de cliquer sur les choix pour avoir les notifs Twitch, YouTube et autres. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à pépon sur ma putain de clope là? C'est à eux de faire ça. Ouais, mais est-ce que c'est de suite quand ils se connectent? Ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent chercher ne serait-ce qu'un minimum pour activer les notifications? Parce que s'il faut que les gens... faut que t'ailles chercher le truc. Alors il faut... une fois que t'arrives sur le serveur, tout est expliqué. Ouais, mais Eridic, les gens lisent pas. Je suis le premier. Je suis le premier à pas lire. Je suis le premier. Donc je pense que plus de la moitié des gens n'ont juste pas activé ce truc là. C'est sûr. Je suis le premier à aller sur un Discord et à m'en battre les couilles de faire ça. Je vois des rôles, je skip le serveur souvent. Non, j'ai cherché et je trouve pas. Ah bah, il y a que Amlou qui a cherché et qui a pas trouvé. Mais trop de manip. Ouais, c'est en fait, il faut, je pense, à mon avis, il faut juste simplifier au maximum les choses aux gens. Il faut vraiment que ce soit simplissime. Il faut vraiment que ce soit le plus ergonomique possible. Déjà que de base, je trouve pas Discord très ergonomique, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Non. Circuit imprimé. Oh, il faut faire des circuits imprimés. Circuit imprimé. Faut faire des circuits imprimés. Oh. Je conseille de faire comme sur plein d'autres serveurs, un channel avec les rôles à prendre sur cette channel. Sur ce channel. Oui, on peut s'inspirer de ce qui se fait de ce qui se fait ailleurs. En vrai, c'est pas non plus une plagiat. Non, c'est bon, tranquille. C'est typiquement ce que je fuis, par exemple. Bah, je sais pas, qu'est-ce qui serait le mieux alors? Parce que on peut pas compter sur Twitch pour les notifs, apparemment. Ok, let's go, maintenant il faut farmer que du lingot raffiné. Et on aura la chaîne de production level 2. Boum. Chaîne de production level 2, ça va être cool. Je vais ranger les... ça là. Juste le truc en mode everyone, toi c'est tout, c'est juste ça qui te satisfait. Et du cristal. Pourquoi du cristal? Tu veux dire le quartz? Pas besoin le quartz. On a fait tout, il nous reste que pour la chaîne de production niveau 2, il nous reste que du lingot. Un mot Christ? Un mot Christ? Un mot Wello? On a déjà fait des sondages aussi, mais les gens ne sont pas réceptifs, donc en général, bah pour nous, ça veut dire que les serveurs plaît. Non, c'est juste qu'ils voient pas. C'est juste qu'ils voient pas ou qu'ils s'en battent les couilles. Et ce que je comprends, hein, bien sûr. Je comprends de fou. Je comprends de fou. Putain, mais tu fais chier, là, le Pokémon derrière, là. Oh. Arrête de te mettre dans la merde, là, t'es chiant. Oui, alors attendez. Paf, paf, pouf. Améliorer le camp.
Ah oui, c'est grand lit pour pâle, il en faut juste deux. Mais ça, on verra plus tard. As-tu débloqué le conteneur de stockage? Et plus pratique que les coffres. Oui, j'ai débloqué ça. Mais ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher et moi j'ai déjà, comment dire... j'ai déjà tous les coffres. Maintenant les gens, ils s'en foutent. En fait, on s'en fout de ça. Je trouve que... Vous attendez que je sois là pour bosser, hein. Elle est là, la petite dinguerie, hein. Vous attendez que je sois pas là, hein. Le coffre en métal raffiné suffit déjà très bien. Niveau place. Oui, mais j'en ai pas besoin. En fait, j'en ai pas besoin parce qu'on a déjà plein de coffres. Et vu que dès qu'on est dans la base, on peut piocher dans tous les coffres quand on craft, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout complet. Ah, désolé, Love. Désolé. Hop. Métal raffiné, boum. Ça coûte tellement cher. Oh. Ça coûte tellement cher. Ça me fume. Va falloir absolument qu'on aille choper une... si, je vais aller là-bas pour récupérer du charbon aussi également. Ils attendent que le patron regarde comme n'importe quel employé. C'est un... Hein? Comme n'importe quel employé. Ah oui. Que le... Qu'il se fasse pas attraper en mode... Ah, fallait qu'on bosse. Pardon. Ah bah c'est super ça, Nils. Tu sers pas à grand chose en fait. Le mec, il a fait un méga coup dans le vide. Il a touché personne. Très utile toi. Tu es très utile. Le bon char. Ah oui, mais j'ai pas pris ce qu'il faut pour aller plus vite. Oh, vas-y, attendez. Attendez, on va faire petit à petit comme il faut parce que là je fais n'importe quoi. Il faut que je prenne. Il faut que je prenne mon dictoise. Que je veux mettre à la place de lui, tiens d'ailleurs. Comme ça, lui, je vais bien le reconnaître comme il faut. Mon dictoise. Niveau 24 ou le niveau 25. Dictoise, donc, pour creuser, machin. Après, le reste, on s'en bat les couilles. Je vais pas les trier parce que sinon, voilà. On est bon. Faut que je vois aussi, oui. J'ai trop de choses. Je vais peser trop lourd. Voilà. Et je pèse encore trop lourd de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, je vais garder ça. Putain, ils font chier avec ça. Hein. Vraiment, ils pètent les gnocchis avec ça. Hein. Qu'est-ce qui pèse aussi lourd sur moi, là? Je comprends. C'est mes clous, en fait. 60 kilos. Ouais, sûrement. Une partie de la bouffe aussi. Hein. Une partie de la bouffe là, 64, 60. Ça aussi. Ça faut que je le. Là, faut que je les mette dans des endroits. J'avoue que niveau base, j'ai rien fait de très très joli pour l'instant parce que je m'en bats les couilles. Il n'y a pas le mode construction. Enfin, il n'y a pas la mise à jour de construction. Et lui, il s'est bloqué. Arrête de te bloquer. Arrête de te bloquer, on a dit. Merci, voilà. Arrête de te bloquer et bosse convenablement. Tac, tac, touc. Ah, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de... Comment ça s'appelle? De réels objets de construction. Donc j'attends la mise à jour construction, du coup. Tant qu'on n'a pas de réels trucs de construction comme il faut, moi, je fais pas des trucs élaborés. Si dans Unshrouded vous m'avez vu pratiquement plus faire des maisons que m'aventurer ou autre, c'est parce que le mode de construction est bien fait, tu vois. Oh. Tu vas taper Anubis ?
Merci. Merci mec. T'es un peu lent quand même. Hein. Balles fusées. Ok. Munitions bas de gamme. C'est possible d'avoir juste des balles là. Moi, je veux juste des balles en fait. Des balles, tout ce qu'il y a de plus simple. Ah, il les mange. Il mange les humains. Ah bah c'est super. Hein? Mais... Mais what do you brawling? Je t'ai jeté sur le... sur ça pour ta... Il est con lui. Putain. Pas possible hein. Je vois justement dans les log serveurs que les gens qui arrivent choisissent les rôles YouTube et autres pour avoir les notifs. Ce qui veut dire que normalement ils reçoivent les notifs sans problème. Ok nickel, bon bah alors change rien. Tout est nickel alors, y a pas de soucis. Ok. Nickel chrome. Nickel chrome. Nous allons rentrer à la maison. Pardon. Excusez-moi. Par contre, je vais voir quand même avec le spatio pour tenter de simplifier au max. Ah, c'est gentil, vieux, merci. Le charbon. Voilà. Donc on a charbon et machin. Hop. Boum. Boum. On continue. On est à combien là? 40 sur 100. Ok. Ok, ok. Du coup. C'était là? Non. Si. Non, c'était là. Ok. Je crois que je peux remettre une base. Je crois que je peux remettre une base. Est-ce qu'il y a des choses que je peux vendre? Bah non, hein, tout se garde. Tout se garde et tout se transforme. Mais... Ah oui, parce que j'étais... Putain. Hop là, let's go. Ans de charbon, j'ai bugué, mais je me suis rappelé que j'étais en 3 fois sur ma save. Ah oui, t'as mis les ressources en x3. Tricheur. T'es un petit tricheur. Un petit tricheur. Du coup, ça fait 150 par filon. Allez, let's go Riddick, merci beaucoup. Ouais, j'ai vraiment envie de faciliter la vie aux gens et qu'ils reçoivent vraiment les notifs comme il faut. Sans qu'ils aient à chercher pendant 1000 ans. C'est hyper important pour moi étant donné qu'en ce moment on a les problèmes de viewer. C'est où? Ah oui, c'est... Hein? Ah oui, c'est là. Ok, 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 ok. Attendez, j'attends juste de reprendre de la stam. Et c'est en face. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est difficile. Comment ça s'appelle? C'est difficile d'avoir un oiseau qui a un sprinter ou coursier ou je sais pas quoi. C'est difficile, j'ai l'impression. J'en ai pas eu un seul. Depuis le début de ma partie, je n'ai pas eu un seul piaf comme ça.
Du coup, est-ce que je peux faire matériaux insuffisants? Ah ah. Et là, il me faut juste de la pierre. Et un éclat de palladium. Et moi du coup je suis en x2, c'est ça non? T'auras plus de problème de vitesse. Non mais je veux dire en gros moi je remarque que comment ça s'appelle je remarque que les piafs de base, à part le Jet Dragon qui de base va vite, mais d'avoir des passifs de vitesse sur les pals, c'est pas évident quoi. Alors, il me faut toi. Ensuite, j'ai besoin. Lui, il flamme à 3. Ah, ça flamme aussi, ça. Hein. Flamme à 2. Lui, il mine aussi. Je ne sais que choisir. Parce que je veux que des gens qui travaillent le fer. Déjà, il m'en faut un comme ça. C'est sûr. Ouais. C'est le problème. Qu'est-ce que l'on peut faire? Il leur faut des lits de merde. Il leur faut ça. Et ça, c'est une boîte charpente. Il leur faut ça aussi déjà. De base. Ça marche, vieux. Merci beaucoup. Je vais reprendre du bois. Ok, la nourriture. Bon, je vais mettre ça dedans. Mais la nourriture, hop, je vais prendre... Non, je vais prendre une moitié. Bim. Hop, voilà. Clac. Ensuite, il nous faut les lits. Déjà, le stockage. Ouais. Infrastructure. Des lits. Un. D'accord. Un! Ouais, tout à fait. Tout à fait, Riddick, tout à fait. Alors. 2. 3. 4. 5. Ok. On va faire ça à fond, là. Voilà. Comme ça, on aura deux zones de métal. On va les farmer en boucle. Ce sera très bien. Ce sera très 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 bien. Nickel. Il me faut... un fourneau.
Le fourneau de base là. Merci beaucoup Astral Snake. Merci infiniment. Bonsoir, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur ton live, mais ton live est toujours aussi quali. Bon bah c'est gentil ça, dis donc. C'est gentil ça, merci beaucoup. Mais en vrai, pour l'heure, vu que j'ai pas le time, on va faire ça. Hein. Non, mais Dictoise, il est nul. En vrai, Dictoise, il est utile que quand tu fais comme ça. Vraiment, Dictoise ne sert qu'à ça, en fait. Surtout quand c'est le tien. Quand c'est pas le tien, ça sert à que dalle. Mais par contre, je peux pas faire de stockage. C'est chiant. C'est très chiant, là. Je voulais faire ça, moi, une boîte, là, comme ça, là. Mais j'ai pas de... Allez... Let's go. Attendez. Hop. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? J'ai un impôt, je sais pas c'est quoi. En fait, c'est les abréviations, je sais pas c'est quoi. Mais donc ça, c'est l'école, ouais. Mais Y a quelque chose de pas clair. C'est quoi le nom de l'impôt? Alors là, mec, c'était marqué... Attends. Marqué des trucs trop bizarres. Non mais je vais en parler à Madaron directement. LLCL. SC forcément. Ah merde, on a plus de charbon. Fuck. Fuck, fuck. Pif, paf, pouf. On est à 65, pas dégueu. Hop là. Bien pratique d'avoir une daronne. Oui. Oui, oui. Il faut qu'on aille là-bas récupérer du charbon. Mais là, parce que ma fille a changé d'école du coup. Et j'ai 55 balles de son ancienne école qui sont prélevées. Quoi, je sais pas. Et 216 de CPTE de DGFIP. Prélèvement européen pour CPTE de DGFIP. Je sais pas c'est quoi. Darkette, si jamais tu sais. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. Si Darkette, tu es toujours dans le secteur. C'est vrai que c'est pas très clair. Hein. Ah nickel. C'était pas un SMS. Non, c'est pas un SMS, c'est directement sur ma banque. Directement sur la banque. Voilà, c'est bien, ça va vite. Comment savoir à quoi correspond un prélèvement un virement de la part de... correspondant dans la majorité des cas, remboursement de la part des finances publiques. Dans le salon des notifs qui se trouve en dessous de la catégorie accueil, vous avez Notif Center. Dans ce salon, vous avez des boutons cliquables.
vous cliquez, vous recevez, c'est aussi simple que ça. Ok, merci beaucoup vieux. Ouais, non mais là c'est pas un trop perçu des impôts, là c'est... On m'enlève en fait. On m'enlève 217 balles, du coup je comprends pas. Je suis en mode pardon. Un peu chiant cette histoire. C'est une somme quand même. Ah bah ouais 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 hein. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, je crois. Ok. Genre ils ont estimé que j'avais trop perçu. MDR. MDR, j'ai envie de dire. MDR de rire. Oh non, il s'est encore mis dans la palissade, lui. Ils sont chiants à vouloir aller je sais pas où à chaque fois, les pales, là. Il y a encore un peu de ça qui fait chier, là. Ok, normalement, on devrait en avoir une centaine. Je vais faire un somme. Qu'est-ce que tu fous dans la maison, toi? Qu'est-ce qu'il fout dans la maison, le cryo? Mais le Yormoun de la balle, mais qu'est-ce que tu fous, toi? Oh! C'est pas possible ça. Arrêtez. Arrêtez de faire n'importe quoi. Ainsi en 2023 vous êtes prélevé à la source chaque mois au titre de votre impôt sur le... Ah mais non mais je sais ce que c'est. C'est la taxe foncière. C'est certainement la taxe foncière. Bah non parce que normalement c'était 100 et quelques. Pas 200. Ou alors peut-être le premier prélèvement, je sais plus. Je sais plus là, j'avoue. J'avoue, je sais plus. Bon, du coup, c'est la chaîne de production niveau 1 qu'il faut que je détruise alors. Pour mettre la chaîne de production niveau 2. Parce qu'on aura ce qu'il faut pour le faire. On aura totalement ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que c'est vrai que la taxe foncière, j'arrête de la payer cash? D'un coup, genre, je veux dire. En une seule fois, c'est trop cher. Il y a un moment donné, 1600 balles de taxe foncière. Ça va quoi. Non, c'est pas ça, c'est ça, ça. Voilà, et là, la chaîne de production niveau 2. Ouais, maintenant il y a ça à remettre dans les coffres. Non. Je vais remourir parce que je suis trop loin. Tac. Franchement, heureusement que j'ai ma tante qui bosse aux impôts, elle m'aide beaucoup avec ça. Bah tu m'étonnes, c'est... En plus, surtout quand maintenant... Enfin, on le savait depuis un bail ça, mais bon... Quand tu sais que tout est fait exprès pour te mettre un peu dans la sauce et que tu comprennes pas vraiment les tenants et les aboutissants de chaque truc, bon, ça fout légèrement un peu le seum, j'ai envie de dire. Quand même. Ok, donc là on est niveau max, je crois, de ça. On a déjà le gigaplaneur, on a déjà la lanterne. Fibre de carbone, fibre de carbone. Ah oui, c'est soit en charbon de bois, soit charbon tout court. Mais ça demande pas tout à fait la même ressource. Ok. On peut faire l'armure de palladium. Mais il faut lingot de machin. Je crois que je l'ai lui, non? Non, je l'ai pas, donc on va faire ça. Effectivement, tu as raison, vieux. Mais un Rayhound Sprinter, moi j'ai, mais les terrestres, j'ai.
Les terrestres, il n'y a pas de problème. Les terrestres en sprinter, j'ai. On peut pas démanteler les trucs. On peut que les jeter ou les abandonner. C'est un peu dommage. Mais bon. Ok. Tu peux... Ouais, on peut les revendre. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on peut les revendre. Ouais. Maintenant, il faudrait que je fasse le truc de... chaîne de production, c'est fait. Établi d'arme numéro 2, je l'ai pas. Mais par contre, j'ai le sphère de pale 2. Donc là, c'est rebelote. Rebelote les lingots, les circuits. Ok. On va se refaire des clous, hein. Moi, les raids sont activés, vieux, hein. Mais je suis pas raid souvent, donc je sais pas. Bon, allez, on va en faire une dizaine. C'est pas trop grave. Vous voulez pas? Ils doivent être en pause. Ah si, tu peux backseat, oui. C'est un pal rare qui apparaît chaque jour, Borna. Ok. Mais le backseat, tu sais bien que tu peux ici. Hein. Pas de problème, moi je prends les astuces. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Donc je les prends toutes. Y a pas de soucis. Ok, donc nous avons les clous. Maintenant, c'est les circuits imprimés. Pour les circuits imprimés, il faut le polymère. Pour le polymère, il faut huile de pale de qualité. Donc ça, c'est un problème parce que je sais plus vraiment sur qui on les chope, ces trucs-là. Mais il refaut ça, quoi. Donc charbon, minerai et compagnie, quoi. C'est le All Might. On va retourner là-bas voir vite fait. Ça. Ok. Là on speedrun. Hein. On speedrun les éléments manquants. Hop. C'est bien d'avoir fait ça quand même. Le fait de pouvoir marcher quand même un petit peu. Hop. Voilà. On va bouger. On va rebouger là-haut. L'huile en ville, ah oui c'est vrai, l'huile de... on peut acheter ça. Putain c'est vrai, bien vu. J'ai oublié qu'on pouvait les acheter déjà. J'avais oublié qu'on pouvait déjà les acheter. C'est sur la version Steam, ah, Steam bien évidemment, toujours. J'ai pas le Game Pass moi, le Game Pass je m'en fous. J'aimerais bien pouvoir récupérer des trucs sans avoir à me battre parce que vous me faites chier en fait. J'ai la flemme. Hop. On va speedrun. Hein. Merci beaucoup Hunter Spawn pour les 5 subs à la commu. Merci infiniment. C'est très gentil vieux, merci beaucoup. Ouais, pareil, j'ai eu un mur invisible aussi. Salut Mikey. J'ai eu un mur invisible aussi, on peut pas aller plus loin. Bien le bonjour. Bonjour mec. Hop là. Il va falloir qu'on récup pour faire juste ça là. Il nous faut 50 pierres, 20 bois et 3 organes de feu.
Par contre, ils se battent là ou... Mais ils se battent pas, hein. Allô, c'est la guerre en fait. Ah bah c'est bon. Ah non, il en reste un. Ça va. Ça va. La cloche a aussi changé pour réduire les bugs. Ses choix entre mode travail ou mode bagarre maintenant. Attaque des intrus. Modifié. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il fallait juste sonner la cloche. Ok, ok. Ah bah oui, bah du coup ils se sont tous mis un peu dans la... décrépitude. Ah, le vichien, il est bugué. Le chien, arrête d'être bugué. Ça a toujours été comme ça, de souvenir. Non, de me souvenir, juste en fait, tu faisais sonner la cloche pour que tout le monde se mette à se battre, tu vois. Du coup, ça vient de me perdre dans ma tête, là. Ok. Je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un tour là-bas. Moi j'y joue Day One et Day One c'était pas comme ça. Day One t'avais pas ça. Je veux acheter. Donc c'est pas lui. Super. C'est pas lui. Pas de soucis. Voyage rapide. Ville du désert. Je veux acheter de l'huile de palme. Mais putain, mais avance en fait là! C'est pas des escaliers qui vont t'empêcher de marcher, non? T'avais ça de souvenir, Day One? J'ai pas dû faire attention là. Merde! Pour huile, c'est village du volcan. Ah non, regarde, t'en as là aussi. Je crois qu'une cinquantaine ça devrait le faire. Je crois. Ok. Donc refaisons du polymère. Voilà, on va refaire du polymère, on va attendre ici pour lancer
Tu peux arrêter de arrêtez de transporter, vous avez ça à faire. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu branles? Arrête de casser les couilles. Organe de feu. Comment je fais si j'en veux qu'un? Ok. Hop. Ok, donc ça c'est ok tier. On va poser ça. Maintenant il nous faut un peu de pierre. Ça marche Riddick, mais t'inquiète. Pas de soucis. Oui, alors le problème c'est que paf. Eh mais pourquoi je pèse aussi lourd moi? Ouais, parce que j'ai encore les clous et les machins, mais j'en ai besoin, c'est ça le truc. Ah ça va, je marche quand même un peu. Ok. Faut que je refasse un coffre. Voilà, on va refaire un petit coffre à la con. Vite d'œuf! Histoire que ça commence à synergiser un peu là. Voilà. Ah mais en fait je suis turbo con moi. Il faut pas que je les cuise. Mais non parce que j'en ai besoin pour j'en ai besoin pour le métal raffiné. Eh ouais mon gars, j'en ai besoin pour le métal raffiné, en fait je suis débile. Un instant j'arrive. Merci Space Neiko, merci beaucoup. Bientôt les 1 an. Merci à toi vieux, j'arrive. Heureux. Ah non, c'est pas le café. Allez voir ma chérie comment elle allait. Ok, oui. Attendez. On va poser ça là-dedans déjà. Non. J'ai dit non. Arrête. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Non. Reviens.
Oui, elle va bien, elle va bien. Allô? Quoi, j'ai plus de charbon déjà? Circuit imprimé. C'est chaîne de pals numéro 2, il en faut 7. Ah bah pile poil. Oh, pile poil la dinguerie. On va retourner récupérer du charbon. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à mon client de 87 ans qui te regarde en live tous les jours. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Quoi ? Mais comment s'appelle-t-il ? Merci cher monsieur de me suivre. Reste tranquille toi. De me suivre tous les jours ? MDR ? Tu connais pas son pseudo? Do. Tu veux te faire bannir toi ou quoi? Faut se battre à un moment donné hein. Ça va finir en mode poignoré à ratisser une zone. Nous n'allons rien comprendre. Non non non. Je sais pas, je connais pas son pseudo. Il veut pas me le dire. Ah ok, bon bah tant pis du coup mais et bonjour à vous cher monsieur. Oh la patate. Arrête, fais pas l'enfant. Voilà. Je retourne au taf avant de me faire taper sur les doigts. Ça marche. Pas de soucis. Ah, un coffre violet. Allons-y. Oui, ça en est ça. Yeah. Ok, let's go. Je suis plein comme une baraque à frites. Hop. Allez, un petit suisse et on repart à la maison. Je trouve que ça a quand même un peu plus vite comme technique. Mine de rien, d'emmener l'autre gros avec nous là. Alors no offense, bien sûr. No offense, bien évidemment. Paf. Tac, tac. Hop là. C'est beau de se dire que tu as un personnage, que tu es à une personne d'un certain âge qui regarde ta live. Moi, je me rappellerai toujours du visage de cette personne que j'ai eu. C'était à la première Paris Games Week où j'ai été invité en tant que guest avec JVC. Il y a eu un vieux monsieur d'un certain âge qui s'avance avec, avec son petit-fils. Et moi, comme un giga teubé, je me dis que ça va être le petit-fils, tu sais, qui va me dire oh, j'aime beaucoup ce que tu fais, machin, machin. Et là, le mec il me dit non, c'est moi qui te regarde. Et franchement, je vais te le dire, continue de les emmerder tous. Continue de leur cracher à la gueule.
Ok. Ça, ça restera un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire, hein, vraiment. J'ai trouvé ça fou. Il devait avoir une soixante-dizaine de balais, tu vois. Même si 70aine, ça se dit pas, mais... Mais ouais, j'ai été choqué. Bon, par contre, tu te sors les doigts, toi, ou pas, là, putain? Tu vas finir en sac à main. Allez. Oh, ils vont tellement finir en sac à main, je te jure. Mais ouais, j'ai trouvé ça fou qu'un papy me dise ça, genre. J'étais en mode, ok. Alors sachez déjà, monsieur, que vous me faites honneur, déjà. Ah bah voilà, ça bosse. Alors, putain, il casse tellement les couilles, lui. Ah merde, c'est pas mis au bon endroit. C'est pas grave. Et je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi vieux suive un truc. Ah bah tu m'étonnes, t'as dû avoir un freeze de l'espace. Ah bah oui, j'étais en mode... Flatteur. Flatteur est très marrant en même temps, la phrase qui balance. En mode casse-leur bien les couilles. Oui, monsieur. Je le ferai. Je le ferai, y a pas de problème. Bonjour, plus possible. Bosser le quartier vient de subir un crash de réseau fibre. Heureusement, il reste le partage de coûts pour regarder. Ah bah du coup, justement, j'allais te dire. J'ai eu un prélèvement des impôts, là, que je comprends pas trop. Mais je pense que c'est la taxe foncière que j'ai étalée. Mais je vais te dire c'est quoi le truc. Le truc, c'est... comment ça s'appelle? Ça s'appelle... DGFIP. Du coup, je sais pas trop ce que c'est, DGFIP. Je pense que c'est la taxe foncière que j'ai étalée sur l'année, mais je sais pas trop. Jamais tu peux éclairer ma lanterne. On est très très bien. On est très 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 bien là. Direction générale des finances publiques. Ah oui, du coup, ça tombe sous le sens. Mais du coup, d'arcade, ça peut être que la taxe foncière, ouais. Ça peut être n'importe quel impôt. Ok. Là, on a 200 minerais de cette merde, là. Ok, il nous faut encore du charbon. Let's go. Le grappin est pratique pour les petites distances en surpoids. Oui, mais maintenant qu'on peut se balader, en vrai, je t'avoue, j'attends le dernier stade du grappin, parce que sinon ça va faire trop de ressources gaspillées pour R. Ouais, ce mois-ci, il va être un peu dur, hein. Vivement la paye. Hein. Oh là là là. Pas vous cacher que je me fais sucer de tous les côtés. C'est un peu ça. C'est un peu dur. Bien que, attention, hein, me faire sucer n'est pas un problème, mais tu as compris quoi. Encore des munitions bas de gamme. Putain, c'est chiant. File-moi des vraies balles. On va pas affiler des vraies balles là, putain. Ouais, ça, je sais que tu peux augmenter temporairement ton inventaire avec un pal. Je sais, ouais.
piaf. Hop. On va bouger, on va bouger. Charbon. Charbon. Voilà. Tac, tac, tac. Oh. Ok, j'ai la réponse, pas d'inquiétude, c'est ton prélèvement mensuel qui vient de passer. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Mais c'était pas une centaine d'euros, plus que 200 et quelques? Ou alors le premier, il est de 200 et quelques, et les prochains seront d'une centaine. Je me suis posé cette question. C'est juste une mauvaise... mauvais timing, mais mauvaise période. Actuellement. Allez, allez le coffre, merci. Hop, hop. Allez, on est parti, let's go. 25, ça fait qu'on est à combien? Il nous en faut juste 10. Et bah très bien. Lancer la production, let's go. Et là, on a les circuits imprimés qui nous manquaient. Allez, par contre, faut vous y mettre, hein, s'il vous plaît. Hein. Il y en a encore un qui est parti, je sais pas où. Oui, il est encore parti derrière. Je vais vous casser la gueule. Vous casser les couilles de fou. Allez, bosser là. C'est les derniers qui me manquent. Merci Darket en tout cas. Est-ce qu'on partirait pas sur un deuxième café de la journée? Le temps qu'il se décide de partir à bosser là. Je pense hein. Et vous savez ce qu'on va faire? En plus de ça, on va se mettre une petite musique chill. On va se mettre ça. Avec cette petite... cette ambiance d'oisillon, ça fait plaisir. Si t'aimes bien fermer le charbon, c'est jamais fini. Le fusil d'assaut Lège, c'est 270. Ah super! Allez, let's go! Heureux. Bon alors du coup est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Boum. Allez se faire deux pales niveau 2 là. Bam. Ok. Je suis lourd.
Je suis très lourd. Du coup, t'as vu que ça correspond à 1 dixième de l'impôt de l'année précédente? Oh, j'ai pas remarqué ça. Hein. J'avoue, je t'avoue, j'ai pas remarqué ça. On va y arriver. Promis, on y arrive. Tu portes trop d'objets. J'avais remarqué, jeux vidéo. Merci en tout cas pour tes conseils. Boum. Bah voilà. On va remettre le bois que nous avons en trop. Dans un coffre. Voilà, boum. Ok, nice. Donc on a la sphère de pâle, enfin le truc de sphère de pâle niveau 2. Voilà, on va pouvoir faire cela. Ça c'est trop bien. Et le truc d'armement niveau 2, on l'a pas encore, hein, c'est ça? C'est beaucoup plus loin il me semble. Fournaise électrique, ça on va directement les deux, là on va les choper direct. Ah oui, chaîne de production d'armes niveau 2. 47. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Oh, l'épée. Oh. Oh. Pas mal. Ouais, c'est celui-là que je veux, moi. Si on a ce qu'il faut, mais... Ouais, ouais, ouais. Bon, là, on va faire les deux lits de merde, hein. Les deux lits de merde qu'on a besoin. Il manque du tissu de qualité. Et bah, let's go. Tissu de qualité, je vais en faire une dizaine parce que je sais pas exactement ce qu'il faut. J'ai pas regardé, c'est 10, il m'en faut 2, il faut que j'en fasse 20. Alors attends, non, annule. Ouais, faut bon, attends, d'accord. Je vais en refaire. Non, ah, ah, il faut de la laine. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Bah d'accord. Lui il va me dropper de la laine, hein. Ouais. Alors, je vais te mettre dans le pâturage, fils de pute. Y'a là. En produit direct. Putain, c'est vrai. Putain, bien vu l'aveugle. Non. Viens là ! Ouais, bon, pff, c'est peut-être un peu beaucoup cette histoire. Mais moi, je suis lourd. Hein. Je suis lourd dingue. Ok, donc elle va me faire. Mais à une fréquence de combien? C'est ça l'idée. C'est à une fréquence de combien ces histoires là? Et est-ce que je peux pas me refaire un petit combat là? Elle, on pourrait lui péter la gueule, comme ça au moins c'est fait. Attendez, déjà, gestion du pal là. Gestion du patrimoine palière. Glace, on a déjà glace. On a glace, feu, eau. Ah non, ça c'est. Ouais, enfin c'est eau normal, mais t'as compris. Feu. Terre, on le garde lui là. Lui, faut qu'on l'enlève. Et psy là. Et j'avais qui à la place de bien, moi? Un synorectum. Petit dragon là, petit dragon, mais. Je veux bien que ce soit un boss et tout, mais. Je sais pas qui choisir. Chelou quand même, que beaucoup ratent. Perso, je reçois toujours Discord et Twitch en même temps.
Bah ouais, c'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi non plus. Hein. J'avoue que... Sur qui on part en combat, là? Mais si je fais un combat, il faut forcément que j'aille choper des trucs très 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 haut niveau, en fait. Comme ça, hein. Allez. Hop. Le piaf! Par contre, quel bonheur d'avoir pu changer ma touche de jetage de balls. Parce que maintenant, je ne me trompe plus jamais. Vu que ma touche pour jeter les pales sphères, là, c'est sur le bouton de la souris. Plus jamais je me gourre. Un bonheur. Damn. Bah elle est où? Elisabi. Where are you? Elle est dans une grotte. Plan de la barrette à plumes. Allez hop, poubelle. Par la plage sur la gauche. Salut Vendemire. C'est une blague. TP du bas, tu le longes à droite. Là, là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? Si, il y a une grotte là. Bizarre, bizarre. Des abeilles dans des grottes. Tout à fait. Elisabi. Oh, oh, petite statue, la petite statue pour mon niveau 8 de capture. Allez. Ah, j'ai pas le temps, moi. Super. Nulos! Aïe! Mais ta mère, en fait, tu te bats contre quelqu'un déjà là. Merde, faut que je recharge. Ah! Allez, meurs. Bah, par contre, t'es pas efficace, toi. Allez, pète lui sa mère. Us! Ah ouais! Ah ouais! Picote un peu, hein. Le mousquet, c'est la merde, ouais. J'ai hâte de changer, mais il fait 1000 de dégâts, donc bon, on va pas. Ah, super. Oh, chier. ~9%, c'est 100%. J'ai dit non. Ah oui. Allez. Let's go.
petit boss capturé là. Plaisir. Oh. Salut monsieur Alex. Allez, c'est fait, le plaisir est garanti. Elle te fait du miel à fond celle-là. Oh, elle a plutôt intérêt, sinon je la fouette hein. Je la bats jusqu'à la mort, moi je vous le dis hein. On en est là hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Arrête, 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 arrête. On en fait du jus. Voilà, du jus d'abeille. Exactement. La recharge. Un coffre. Il y a un coffre. Non, 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 reste là, reste là. Ensuite, on a commencé à faire pas mal de boss en vrai. Bon, lui c'est 49, c'est peut-être un peu chaud du cul. J'ai bien envie d'aller voir par là, finalement. C'est épais parce qu'on n'a pas, on n'a pas tout explos. On va même se permettre de faire un TP ici pour augmenter notre niveau de capture. Les petits font du miel, pas la grosse. Ah. Allez, niveau 8. Là c'est bien là. Attendez, il y a des choses qu'on a fini ici. Les tissus de qualité. On peut en faire un déjà. Oh waouh. Ça va la bulle hein. Putain, ça fait chier un peu, non? Mais ils peuvent être combien sur ce lit? Ça, c'est pour des gros pales, hein? Déjà, à la base, moi, je voulais remplacer tout, mais... si tu veux vite farm les statuettes, fais-le la... Oui, non, mais ça, je sais qu'elle brille la nuit et qu'on les voit de loin, mais c'est juste que ça m'emmerde de le faire. C'est pas pareil. Si vous me voyez pas farmer un truc en boucle comme un dératé, c'est pas parce que je sais pas le faire, hein, parce que ça m'emmerde. Hein. C'est surtout ça. Casse les couilles. Ok. Bah, il faut refaire un lit. Et il faut du tissu. Ah, bah non, mais j'ai ce qu'il faut en fait. Juste des clous. What? Ok, clous. Merci mec. Oh mais là... Moi je vais mettre un lit, je vais mettre un lit à la zob hein, parce que là on remettra le truc de pierre mais... Bah tiens, tu sais quoi, je vais mettre un lit ici. Voilà, à la foutre. On bat les steaks. Il y en aura un, il vivra là tout seul. Let's go! On peut améliorer la base! Hop! Hop! Créer un coffre en métal raffiné. Ça coûte cher cette merde ou pas? Ah bah oui mais je crois que je l'ai pas débloqué. Le coffre en métal raffiné, je crois que je l'ai pas. Coffre en métal. Ok. C'est où? Je suis aveugle?
crois que je suis aveugle, hein. Je suis aveugle de ouf ou quoi? Aveugle man. Parce que là il y a le métal. Il y a les coffres en métal mais c'est pas le métal raffiné ça. Niveau 39. Ah oui, vu. Pff, 20 lingots raffinés. Et encore des clouks. Ok, nice. Ah oui, non, faut attendre que... Oui, forcément. Dépêche-toi. En gros, si tu veux, avec 4 coffres comme ça, c'est tranquille. On verra l'espace que ça donne. Et j'en doute pas, du coup. J'en doute pas. Je sais pas trop où... On va mettre ça là, hein. 3 minutes, MDR. 7 secondes. Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui! Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Effectivement. On peut encore augmenter la base. Ok, fournaise électrique maintenant. Ok. Ils ont faim. Mais comment ça, ils ont faim? Bah, allez manger, en fait. Oh, tu es pénible. Et la meumeu. Et la meumeu, pareil. Meumeu va manger. Voilà. Ouais. Je comprends. Effectivement, c'est très grand. Je voulais qu'on aille se tap un peu. On peut faire lui, là, 38. Par où? Par là. Bon, puis après, je pense qu'on va partir un petit peu sur du Hearthstone, là. Oh, hier soir, j'ai fait quelques parties, là, sur mon tel, tranquille, dans le canap. Pouah, j'ai fait des moves. La vérité, j'aurais adoré que vous puissiez les voir. Il s'est passé des petites dingueries, là. C'était fou. C'était vraiment très, très fou. Ouais, tu peux jouer sur tel, sur tablette, sur Mac, sur PC, sur Android, sur Apple. Hearthstone, c'est vraiment partout. Je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux gratuits qui soit, étant donné que du coup... tiens, là, il y a un truc à récupérer, on va le récupérer. Étant donné que bah, c'est gratos. J'ai envie de dire. J'ai un souci, mais je sais pas si c'est un bug ou pas. Les contrebandiers ou braconniers avec les Gatling que j'ai capturés n'utilisent pas la... Oh, non, ça c'est normal. Ceux qui ont des Gatling n'utilisent pas leur Gatling, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. Parce que ce serait trop craqué. Donc c'est normal. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un bug. Je m'étais renseigné aussi. Du coup. Pour HS, pourrais-tu nous montrer des gammes avec d'autres decks que celui avec lequel tu joues?
J'aurais bien aimé en voir d'autres. Comment tu les gères? Oh oui, on peut faire, on peut faire. Après, c'est vrai que celui que j'ai actuellement, il fonctionne très 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 bien. Il faudrait réparer toute cette merde. Et ben on est parti pour le combat! Tu veux pas te battre? Bats-toi! Il veut pas se battre. Super, j'adore quand les pales bug comme ça et qu'ils veulent pas se battre. C'est super. Tu peux te taper en fait Bats-toi hein. Ah voilà. Merde. Aou! Je voulais pas faire ça. Bim! Mais il est sérieux de se faire casser la gueule par lui? Ah oui, mais il est roche. Putain, je suis con. Vas-y. Tiens, j'ai ton copain. J'ai ton copain, mais lui, il est de glace. Il va te faire très mal. Bof. Ah, quand même. Tu peux faire le gros rayon, là? Zip. Vas-y là! Mais tu te bats en fait ou tu te bats pas? Mais balance tes attaques en fait! Bon, tu m'as saoulé. Oh. Et bah voilà. 4S est vraiment un très très bon pals. Hein. Arrête de fuir par contre. Arrête de fuir là, t'es en train de partir trop loin. Casse les couilles lui. Moule! Eh bah excellent ça, c'est capturé la version boss de cette merde. Lui 44? Pas sûr, on va faire 40 je pense. La Sibylle. Mmh. Yeah. On va choper le boss. 44, ça se tente. Ouais, c'est vrai que ça peut se tenter, ouais. Oh, j'en ai marre de me traîner le cul avec mes piafs, je te jure. Je sais qu'on a bientôt le Jet Dragon, hein, mais... J'ai vu sur Twitter d'ailleurs, c'était le compte officiel de Palworld qui l'avait partagé. C'était un gars qui avait un Jet Dragon avec tous les passifs de vitesse. Oh putain, le machin. C'est une dinguerie. Hein. C'est juste nimp. Allez. On va en capturer un petit dernier. Et go Hearthstone. Mais il y a un caillou. Non, il y a un caillou. Dès que tu en as deux, tu lances l'opération breeding. Bah ouais, mais ils vont pas pop avec un passif. Tu sais, moi j'ai essayé de me dire, vas-y, ça fait quoi si je mélange un Jet Dragon avec comment ça s'appelle avec un Pulse terrestre qui a le. Mais il est où cette épée de mort là? Je balance un Jet Dragon avec quelqu'un qui a un sprint ou je sais pas quoi là, tu vois. Pour espérer avoir un Jet Dragon. Et en fait, non, à chaque fois, ça me donne un autre Pokémon. Et qui n'a pas du tout sprint ou autre truc. Donc, bah super quoi. Donc, il faut au moins avoir un Jet Dragon avec un passif utile.
Et puis le reste, Manic. Hein. Hop là. Ragnarok avec runner égale plus nimble, plus capacité de vol, niveau 2. C'est déjà un petit délice. Déjà le Ragnarok est assez cool. Ah bah non. Rien à voir. Vous allez arrêter de me casser les robignoles là. Saloperie d'abeille de mort. Niquez-vous. Ah. Mais je suis sûr en vrai maintenant, avec ce qu'on a connu, nous, les anciens joueurs, où il y avait le bug. Enfin, les anciens joueurs, ça y est, c'est... on est les anciens, genre. Mais où il y avait le bug de la statuette qui te faisait baisser ton pourcentage de chance de capture à force de l'augmenter. Je suis sûr maintenant, en fait, là, vu que ça marche, niveau 8 de capture, t'as même plus besoin d'aller niveau 10, en fait, t'en bats les couilles. Je pense, hein, vraiment. Avec tous les efforts de merde qu'on a connus pour choper un pal à la con. Je pense, en vrai... c'est tranquille, maintenant. Tous mes pals, je les ai mis chanceux, féroces, impulsifs. Quand tu commences à en avoir beaucoup, ça va. C'est le jour et la nuit, bah, tu m'étonnes. Allô? Merci. T'es niveau 10 et tu vois quasi zéro différence? Waouh! Mais putain, arrête de me focus moi, connard! Tu veux pas que quelqu'un me tape en fait? Brutis de con, va! Le poteau, l'enculé de poteau de merde! Je vais die! No, motherfucker! Non, je brûle! Ah, j'ai 12 pev. Ah, puis j'ai pas rechargé, super. Pourtant, j'ai le tétra tétanos là de bouclier là. Oh si, je vois la div quand même, hein. Je me fais toujours baiser. Elle est là la div en fait. Si je me fais baiser la gueule. Avec un peu plus d'espoir. C'est ça quoi, ouais. Super. Allez, reste. Oh oui. Oh oui. Oh si, je vois la div quand même. Oh si, je vois la div. Oh si, si, la diff on la voit. La diff on la voit quand même. Ouais. Entre 5 et 20 bons. Oui, c'est un peu ça le... C'est un peu ça le truc, ouais. Ok, bah ça va, on a bien avancé, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Allez, YouTube. On se dit qu'on arrête là. Et moi, je vais aller faire un tour sur Hearthstone avec les gens sur Twitch. Bisous, YouTube.